Je vais en finir en 10 minutes. Alors on utilise Maelstrom Omega? Oui, c'est pour en finir au plus vite et nous libérer tous. Maelstrom Omega, face à... Trop violent, Ember. Tu ne crois pas? Laisse-moi tranquille! Mais... Qui sème la violence récolte la violence, Ember. C'est le moment! Maelstrom Omega phase 1! Vise le sommet! Et si tu regardes toujours vers le haut, tu n'as qu'à suivre pas à pas la route qui t'y conduira. Dans la vie, un jour ou l'autre, il pourra t'arriver d'avoir à relever des défis. Alors tu ressentiras peut-être venir en toi la peur de faire un choix. Mais le destin ne t'attend pas, le destin a déjà choisi. Abandonner ne sera pas une option, tu le feras, ça ira. Si tu dois avoir peur, ce n'est pas de l'erreur. N'aie pas peur d'y arriver, n'aie peur d'abandonner. Ton équipe est avec toi, elle a confiance en toi. Et vous irez de l'avant, c'est ensemble que vous serez plus grand. Que vous y arriverez si vous visez le sommet. Et vous n'aurez pas perdu votre temps. Vise le sommet. Et si tu regardes toujours vers le haut, tu n'as qu'à suivre pas à pas la route qui t'y conduira. Cours, oui, vas-y, cours. Cours encore. Oui, encore et encore. Cours encore. Ta-la-la, ta-la-la. Vas-y, cours encore. Cours avec ton équipe vers les sommets. L'ultime football. Les joueurs du collège Célène utilisent la même tactique que celle qui leur a si bien réussi pendant leur match contre Polaris. Phase 2. Et c'est but! Le collège Célène a réussi à marquer en quelques minutes à peine. Le stade entier reste médusé devant la tactique hallucinante des joueurs de Célène. On n'avait encore jamais vu ça. Oh, Sonny. Leur sort est réglé. Tu leur as porté un sacré coup. Je sais. Ils ont encaissé de plein fouet Maelstrom Omega. Et ils ne vont pas pouvoir continuer. Regarde-les. Tu vas voir. Le coach de Raymond ne va pas tarder à déclarer forfait. Sûrement. Dis donc, t'es sûr que c'était la meilleure chose à faire? C'est pris un sacré coup. Comment? Les joueurs de Raymond reprennent leurs esprits. Le choc a été rude, mais ils se remettent debout un par un. Vous avez vu? Les joueurs de Célène n'en croient pas leurs yeux. C'est pas possible. Hein? Comment peuvent-ils encore tenir debout après avoir encaissé Maelstrom Omega? Vous voyez, j'ai appris mes erreurs. J'ai créé une onde aspirante tout près du sol quand vous avez lancé le Maelstrom Omega. Et la mini-tornade que j'ai réussi à créer a fonctionné à la manière d'un coussin d'air. Pas mal. Eh oui, on s'est tous entraînés à fond pour pouvoir résister à votre Maelstrom Omega. Ça ne marche pas. Si tu n'arrives pas à déplacer ta jambe plus vite, tu ne pourras jamais créer une onde aspirante. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et vous, là-bas, vous devez contrôler votre chute. Si vous voulez tomber, ça vous fait mal. Le coussin d'air créé par Raymond est beaucoup plus efficace quand on l'atterrit horizontalement. À condition que j'arrive à le créer, ce coussin. Encore un essai. Magnifique. C'est un vrai festin de champions.
Alors, Selene, vous faites moins les malins ? Ils ont trouvé la parade à notre Maelstrom Omega. C'est vrai. Mais nous n'avons plus besoin d'utiliser Maelstrom Omega. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, monsieur le stratège du ballon rond ? Je me le demande. Hé, hey, venez voir ça ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a les données des joueurs et celles des super techniques. Y compris toute l'organisation de Maelstrom Omega. Maelstrom Omega, c'est cette super technique imparable qu'ils ont utilisée contre Polaris. Mais alors, on devrait pouvoir trouver un moyen d'y résister. Ce serait possible. C'est génial. En fait, c'est Is Moore qui nous a sauvés. Je suis sûr que ce que Moore voulait nous donner, ce n'était pas les données détaillées des joueurs du Collège Selene, mais un moyen de contrer Maelstrom Omega. Est-ce qu'il essayerait de changer lui aussi ? C'est pas possible. À nous de le remettre un maintenant ! Oh ! Mais comment ? Et maintenant, je vais gagner ce match et nous serons tous libres ! Quoi ? C'est tout ce que tu sais faire ? Je commence à m'ennuyer ! Alors on va mettre un peu d'animation. On va le remettre plein la vue ! Le glaive ! C'est la première fois que nous voyons cette technique. Le collège Selene veut-il l'utiliser pour forcer le passage? Non, même pas en rêve. Ils ne passeront pas. C'est le moment d'en finir. Rat, je t'ai eu. Je l'ai même pas vu arriver. Pas étonnant. Tu vois, nous, on joue au football à 11 joueurs. Leur toute nouvelle technique spéciale semblait favoriser les attaquants du collège Selene. Mais Raymond n'a pas tardé à se ressaisir et à reprendre le ballon. J'arrive pas à croire qu'ils ont contré le glaive. Leur coach les a mis au courant de toutes nos tactiques ou quoi ? C'est incroyable ! Ils ont contré sans aucun problème l'attaque de Selene. Qu'est-ce que vous leur avez donné comme instruction, coach ? À vrai dire, ma tablette n'a plus de batterie. J'ai bien peur de ne plus pouvoir leur en donner aucune. Quoi ? Peu importe, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Faire ce qu'ils veulent? C'est une tactique qui concentre les attaquants au centre, n'est-ce pas? Afin de mieux briser la ligne de défense adverse, bien sûr. Ils se sont déplacés à toute allure vers nos points d'attaque. Pour ça, ils ont dû agir en équipe avec une cohérence absolument parfaite. Ça ne peut pas venir des instructions de leur coach. Tu veux dire qu'ils ont décidé de faire ça tout seuls? Ils ont visiblement beaucoup évolué. Leurs données ne nous serviront plus à rien. Ils jouent comme des génies. C'est le moment! Avancez vite! Bougez-vous! Tu es blessé! Qu'est-ce qui se passe? Moore n'arrive pas à se relever! A-t-il été blessé au moment du choc? Is, tu m'entends? Tu dois arrêter le match, tu n'es pas en état de jouer. Je vais gagner. Je vais gagner. Il faut que je gagne. Is, il faut que tu te reposes. S'il te plaît. Non! Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux jouer à tout prix? C'est tellement important pour toi. Et moi, Is, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah. Oh. Tu vas mieux? Oui, ça va. Merci, Regina. Tu fais partie de l'équipe adverse, mais tu es quand même venue. Vas-y, Is. Joue jusqu'au bout puisqu'il le faut. Et ne t'inquiète pas, je serai là pour toi si tu as besoin de moi. Je vais enfin obtenir une réponse. C'est pour ça que je joue. Et ça ne peut pas s'achever comme ça. Inazuma ! Oh!
Je peux l'arrêter. Éclipse lunaire. Grayling, il vise pas le but. Quoi? En l'absence de son capitaine, le collège Sélène a perdu son avance. À cause de moi. À cause de moi. À cause de moi. Mais qu'est-ce qui me fait sourire? Grayling, il faut continuer. Je suis vraiment désolé, Moore. C'est pas grave. Hé, hey, Moore. Est-ce que nous prenons du plaisir à jouer au football? T'as remarqué, toi aussi, ils prennent du plaisir à jouer au football. Non, Moore, je ne crois pas. C'est étonnant. Je me sens... C'est maintenant que tout commence, Grayling. Tu as raison. Sois prudent, ok? Amber te déteste tellement que ça me fait peur pour toi. Oui, je sais. Mais ne t'inquiète pas, on va régler nos comptes. Je te battrai autant de fois qu'il le faut. Il a de la chance que l'arbitre laisse passer. On dirait qu'il ne se contrôle plus. Amber, ça va? Amber, il faut que tu te calmes. Je sais ce que tu ressens, mais... C'est pas très beau à voir. Mais... Limonade de fait. Donati, tire au but. Grayling l'a arrêté, mais le ballon est arrivé droit sur lui. Oh non, c'est pas vrai. Tu crois vraiment que c'était la meilleure chose à faire, Donati? T'aurais dû faire la passe au lieu d'envoyer le ballon dans les mains du gardien. Oh, ça va, arrête, ok? Bon, en fait, il a raison. Ces mains-là... Le jeu n'a rien à voir avec ce qu'on croyait. Attention! Ils ne doivent pas passer! Raymond a pas mal progressé. Oui, ils se sont améliorés à chaque match. C'est assez impressionnant. L'ambassade du football a été créée pour former des équipes puissantes. Et on peut dire que ça a marché exactement comme on l'avait espéré. Exact. On a bien fait d'y consacrer tant d'efforts. Comment le collège Sélène va-t-il riposter? Ces joueurs seront-ils capables de reprendre l'avantage? Je vais vous montrer la véritable puissance de l'équipe du collège Sélène. Vous ne passerez pas! Tu es trop lent! C'est à moi! Lancier royal! Super technique de Moore! Sélène ne perdra pas. On ne peut pas se le permettre.
sert vraiment l'arbitrage d'Arès? Je connaîtrai la réponse à la fin de ce match. Il faut que je reste sur le terrain jusqu'au bout. Hein? Je vais humilier Arès. Et Candice sera vengé. Et c'est la fin de la première mi-temps. Quel match passionnant! Les deux équipes ont fait le maximum. Et personne ne saurait dire ce que la seconde mi-temps nous réserve. Mo, Ember, c'est comme ça que vous vous amusez en jouant au foot? Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas un match, c'est un règlement de compte. C'est pas le football, ça. Vous avez tout faux. Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu ne peux pas nous juger, tu ne sais rien de nous. T'as raison. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là et je ne sais pas non plus pourquoi vous jouez au foot. Et en fait, je ne veux même pas le savoir. Écoute, Moore, quand tu donnes le maximum, c'est comme si on s'améliorait nous aussi. C'est génial de jouer contre quelqu'un comme toi et je veux profiter de ce moment. Ember, pourquoi tu veux combattre seul contre tous? On est là pour toi. Ton désir de vaincre, partage-le avec ton équipe, s'il te plaît. On ne joue pas au football pour vaincre son adversaire. On joue pour créer un lien. Et quand on a la chance extraordinaire de pouvoir jouer contre un adversaire génial, c'est le moment d'apprendre à faire mieux encore ou de voir comment on a progressé. Et au fur et à mesure que le match se déroule, on sent un feu intérieur, une joie de jouer plus forte que tout. On entre en connexion avec notre équipe. C'est ça le football, celui qu'on aime. S'il vous plaît, jouez au football. Jouons ensemble. On ne joue pas au football pour vaincre son adversaire. On joue pour créer un lien. Et au fur et à mesure que le match se déroule, on sent un feu intérieur, une joie de jouer plus forte que tout. On entre en connexion avec notre équipe. C'est ça le football, celui qu'on aime. S'il vous plaît, jouez au football. Candice, pourquoi es-tu venue ici? Elliot! Candice? Alors, tu sais qui je suis? Pardon, Elliot. Je te promets que tu sauras tout quand le match sera terminé. Candice. Je voulais être là. Je voulais te voir. Quelles que soient tes raisons, j'avais tellement envie de te voir jouer. J'ai toujours su que tu aimais le football du fond de ton cœur, que tu adorais courir sur un terrain. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux que tu sois là, Candice. S'il te plaît, Elliot, oublie ton désir de vengeance. Joue au foot sans penser à rien. Mets ton cœur dans ce que tu aimes. Jouer au foot sans penser à rien? Non, Candice. Ça, tu vois, ça n'a jamais été mon style. Quand je monte sur un terrain, je n'ai qu'une seule idée en tête. Détruire mon adversaire. On me surnomme le diable du terrain. Je suis Elliot Ember. Il n'en reste plus beaucoup de temps. Fais tout ce qu'il faut. Excusez-moi, mais nous faisons déjà tout ce que nous pouvons. Idiot. Aurais-tu oublié que vous êtes les élus du consortium Arès? Les gamins de l'autre équipe ne sont que... Est-ce que vous les avez observés? Ils sont très forts. Une victoire facile est impossible. Aurais-tu oublié un détail, Is? Si vous perdez ce match, vous resterez soumis au projet Arès. Tu te souviens de notre marché? Oui, mais ces négociations n'ont plus aucune valeur. Tout ce qui compte, c'est l'envie que je ressens au plus profond de moi. Je veux arriver au sommet de cette montagne qu'on appelle le Football Frontier. Ah, vraiment? Excusez-moi, il faut que j'y retourne. Je suis au courant, Yis. Je sais de sources sûres que tu as fourni à Raymond toutes les données du Collège Sélène. Alors, je peux savoir ce que tu mijotes? Tes petites machinations commencent à me fatiguer. Petites machinations? Vous avez oublié? Je suis le stratège du ballon rond, monsieur. Rappelez-vous, je suis Is Moore. Amoureux, je le suis depuis longtemps. Je pense à lui, et puis je l'attends. Et la pluie, triste pluie, emportera mes pleurs et mes larmes, il me réconfortera. Je ne peux jamais voir la vérité. Que j'ai envie de rester à ses côtés. Oh non, non, non.
sortira champion de ce match ultime dans le prochain et dernier épisode d'Inazuma Eleven Ares, la course vers le sommet. Le proverbe du jour d'Inazuma Eleven. On ne joue pas au football pour vaincre son adversaire. On joue pour créer un lien. C'est tout.